Il va nous falloir 100 g de sucre, 50 g de farine, 2 tablettes de chocolat, 100 g de beurre, la moitié d'une petite boîte de lait concentré non sucré et 2 œufs. Alors, pour commencer, nous allons mettre une casserole avec de l'eau, mettre un récipient par-dessus, mettre le beurre et les morceaux de chocolat coupés comme ceci. Ce sera plus facile de le faire fondre. Là, on prépare notre chocolat. On mélange de temps en temps jusqu'à ce que ça devienne complètement crémeux. Une fois fait, vous allez voir que c'est très simple. On va rajouter tous les ingrédients à l'intérieur. Les œufs, le sucre, la farine et le lait concentré non sucré. Et on va remuer tout ça jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Ensuite, moi j'ai pris un moule en silicone, vous pouvez prendre n'importe lequel. Je le farine pour que ça ne colle pas. Vous pouvez aussi le beurrer. Et ça à 180 degrés pendant 25 minutes au four. Et voici le résultat. Vous voyez que c'est une très belle couleur. C'est entre le fondant et le brownie. Là, vous voyez que l'intérieur est super crémeux. C'est vraiment une tuerie. Mettez du lait concentré non sucré. Sinon, ça fera trop de sucre, à moins que vous aimez ça. En tout cas, c'est trop bon et je vous dis pas comment ça remonte le moral. Cette recette est réussie à tous les coups. À tester !